Alors, on se retrouve aujourd'hui, samedi 9 décembre, pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et ensuite, comme d'habitude, le Daily December numéro 9. Et là, on sera avec Stéphanie du 09. Pour demain, je n'ai pas encore l'ATC numéro 10, qui normalement me venait de Virginie. Donc, comme là, après, il n'est que 11h. Donc, du coup, le facteur va peut-être passer entre-temps. Je ne sais pas. Au pire, si je n'ai pas l'ATC, je pense faire une petite carte. Enfin, commencer à faire un petit peu de cartes pour la maison de retraite, puisque je suis allée dans mon petit magasin de loisirs créatifs et je me suis trouvé des dies comme ça, en forme de boule. Comme je vous avais dit, j'avais déjà fait des cartes, celle-ci, mais simplement avec des dies ronds, puisque je n'avais pas de dies boule. Et du coup, bah là, j'en ai trouvé. Donc, j'ai pris cela. Vous avez trois sortes de formes de boules. Donc, je pense que je vais refaire des cartes avec ça. Donc, c'est de la marque Artemio. J'ai pris aussi des petits sapins comme ça, puisque ça, c'est pareil. J'en avais pas. Ça, c'est de la marque Rayer. Ouais, Rayer. Trois petits sapins. J'ai des idées de cartes, mais bah, il me fallait des sapins. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi un petit bloc de papier. C'est pas comme si j'avais pas beaucoup de papier, mais je voulais du papier qui soit coordonné, parce que je vais essayer de faire des cartes avec ce style de papier. Donc là, derrière, vous avez ici, vous voyez, toutes les sortes de papier. Ce qui est bien, c'est que vous avez un côté avec des dessins, on va dire, et l'autre côté qui est un peu plus uni. Ouais, même pas tous. Mais j'aimais beaucoup celui-ci. Et dans les tons verts là. Donc là, je vais faire des petites cartes avec ça. Et peut-être ça en même temps, je ne sais pas. Donc si jamais demain, j'ai pas le courrier de Virginie, le numéro 10, je ferai des petites cartes pour m'avancer, pour les donner à la maison de retraite. Donc, voilà. Allez, là, on va faire du coup l'ouverture des calendriers. Donc je vais commencer par le Daman. Alors, celui d'hier, c'était une infusion. C'était quoi? Je ne sais plus. Carcadet de Noël, je crois. C'était une infusion. Oh, il était très très bon. C'était écorce de cynorhodon, morceaux de pomme, fleurs d'hibiscus, baies roses, arômes, pain d'épices, amandes, vanille, amandes amères, cardamome. Il était excellent. Excellent. Donc, numéro 9. Et j'ai toujours mes thés à voir, je n'ai toujours pas vu mes thés. Ah, là, nous avons un thé blanc. Nous avons un thé blanc comme ceci. C'est Pai Muntan. Donc, le thé blanc, c'est, on a dit, alors, c'est du thé blanc. Bah, simplement thé blanc, il n'y a rien d'autre. Donc bah, je sais pas, je connais pas. Donc on va goûter. Oh là, là nous avons les madeleines bijoux avec le numéro 9. Donc j'avais eu les madeleines choco pistache, mais moi j'ai pas aimé. Je l'ai donné à mon mari parce que j'ai pas aimé. J'ai goûté, mais bon, je suis pas fan. Et donc là nous avons, oh, petit palais comme ça. Est-ce que ça ne met trop court? Ce serait bien. C'est pas précisé. Je sais même pas. J'ai même pas regardé. Non, c'est pas marqué. Ah bah si. Ah, ça doit être ça. Ça doit être à la noix de coco. Parce que j'avais même pas vu qu'il y avait ici. Pâtisserie moelleuse à la noix de coco râpée et enrobée de chocolat au lait. Je pense que ça doit être ça. Donc ça, c'est très très bon ça. Et ensuite, mon thé Clippers. Et là, ma petite belle-fille, elle m'a spoilé. Ça doit être du thé au citron aujourd'hui. C'est celui-ci, le numéro 9. Et le 9, c'est thé vert citron. Donc ça, c'est très très, très très bon ça aussi. Donc voilà pour mes ouvertures de thé. On va passer directement, hop, à
mon daily December, je retrouve sur mon bureau. Alors, pour le numéro 9, je vous ai dit, c'était avec Stéphanie du 09. Alors, hop. Oh, j'ai une petite chute là, ici. On est bon. Donc, hop, ici. Oh, une très belle carte aussi. Très, très jolie. Alors, hop. Oh là là, ça va être tout en douceur. Donc ça, je pense que c'est pour la carte de la maison de retraite. Elle est très, très jolie. Dans les tons marron, bleu, gris. C'est tout en douceur, je trouve. Ah, il doit manquer une petite, un petit strass ici. Ah bah, il est là. Hop, je vais le recoller avec le glossy après. Donc, oh oui, c'est vraiment très, très joli. Alors là, nous avons... ici, l'ATC numéro 9, ah, j'aime beaucoup les couleurs. Ce qui va être bien dans ce Daily December, c'est que voilà, il y a différentes ATC, différentes tonalités, différentes couleurs. C'est vraiment. Enfin voilà, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que ça change bah, tous les jours en fait. C'est ça, en fait, c'est ça le but du jeu, c'est que ça change tous les jours. Donc celle-ci, elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup aussi. Son nom d'artiste, c'est Lily Fleur-Art. Le titre, c'est Wild. Alors, elle est vraiment très, très jolie. Et ensuite, nous avons ici l'ATC pour mes 5000. Ça, c'est vraiment tip-top. Vous voyez, avec plein de petits stickers. Ah, mais moi, ouais, mais c'est hyper original parce que du coup, ça doit être les stickers de planeur. Et ouais, bah ouais, fallait y penser. Et ça, c'est vraiment top. 5000 abonnés YouTube, donc c'est la une sur une, évidemment, puisque... puisque voilà, donc j'ai trouvé une petite boîte et du coup je range toutes mes ATC dedans pour l'instant. Je verrai par la suite où est-ce que je les range. Donc j'ai aussi du coup ces petites chutes de papier. Alors, tac tac tac, il va falloir que je trouve donc ça, ah non, 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 j'ai perdu le petit bout. Ah, oh, faut pas que je l'oublie de la coller. Je vais la mettre de côté. Oui, alors, du coup. Tac. Mes trous vont être là. Il faut quand même que mon ATC ressorte bien. Mais il faut que je trouve... il faut que je trouve quelque chose ici, là. Donc on va faire ça à peu près comme ça. Et j'ai une autre petite chute ici. Ah, c'est recto verso. Ouais, et ben je vais couper là et je vais la mettre dessous. D'accord. Tac. Oh, je vais peut-être pouvoir utiliser toutes ces... à peu près comme ça. Toutes ces chutes. Donc, je vais assembler tout ça. Je vais essayer de trouver quelques petits, quelque chose qui peut ressembler à ça. Je vais réfléchir et je vous retrouve tout de suite. Alors, du coup, j'ai commencé le collage et on va finir cette petite page ensemble. J'ai mis du coup mes petits coins photos, là j'ai mis quelques chutes, je me suis pris une petite chute de couleur comme ça, miroir couleur rose parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Et j'ai sorti ça de chez Action parce que je trouve que les couleurs vont aussi bien ensemble. Donc dans mon idée, je voulais mettre ça ici, ça au milieu. Et comme ça. Et là, il faut que je colle. Ensuite, il faut que je trouve des petits trucs à mettre ici. Donc, voilà à peu près mon idée. Au niveau des chutes, il me reste que ça. Donc, ça va. Donc là, on va passer au collage. Hop. Donc là, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 11h20. Il ne faut pas que je tarde puisque je commence à midi et demi aujourd'hui.
Donc il faut que je pack le terme pour ensuite aller manger. Et j'ai fini de bonne heure, je finis à 5 heures. Donc ça va. Et du coup, c'est pour ça que je fais ma vidéo ce matin, puisque bah, j'aurai pas le temps ce soir. Enfin, si vous voulez la voir, enfin, si je veux la mettre à 18h, je n'aurai pas le temps ce soir pour la mettre à l'heure, on va dire. Donc, c'est pour ça que je la fais ce matin. Et celui-ci, on va le coller au milieu, ouais. Et après, il y aura juste à coller des petits... le petit sticker comme ça, voilà, ici ça c'est bon, donc on est parti, on va coller ça. Ouais, je trouve que au niveau de l'harmonie des couleurs, je trouve que c'est pas mal. Alors on va choisir, ah oui, j'ai recollé aussi du coup le petit c'est comment on appelle ça? Ça là, voilà, je l'ai recollé. Voilà. Comme ça, au moins, je ne vais pas l'oublier. Alors, ça, j'aimais beaucoup. Je mettrais bien peut-être le haut en haut. Après, ouais, il faut choisir ce que l'on va mettre. Ça, c'était pas mal. Alors, le haut, on va le mettre en haut. Je vais le coller avec le glossy. Normalement, je viens de le déboucher. Ouais, donc c'est bon. On va peut-être le mettre à l'endroit. Ce sera mieux. Voilà. Ensuite, est-ce que je ne mettrai pas ça ici? Je vais mettre, ouais, allez, je vais mettre celui-ci. Ici, là, est-ce que je mettrai pas cette petite boule? Faut que je trouve à mettre un petit quelque chose ici. On va mettre ça là. Comme ça, c'est pas mal déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ça me plaît pas mal. En plus, le ruban ici, il est à peu près la même couleur. Allez, on va mettre ça. Tac, pareil, je vais le coller au glossy. Comme ça, on est sûr que ça tienne bien. Tac. Hey, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? J'ai des petites étoiles là. Allez, on va en mettre un petit peu aussi. J'ai d'autres étoiles là. En plus, c'est à peu près dans les mêmes couleurs. Là, on a celle-ci. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On va la mettre là, tant pis. Bon, déjà, c'est pas mal. Je regarde en même temps. Allez, je vais mettre le petit nœud. Exemple ici. Non, bah, je trouve que là on est pas mal. Hein. Est-ce que je rajoute un petit pain d'épices? Non, ça risque de faire un peu trop. Je mets une autre étoile là. Alors, on va la mettre ici. Comme ça, c'est pas mal. On va même la décaler un peu. Bah écoutez, je pense que là on est pas mal. Je trouve que au niveau des couleurs ça va.
Il y aura peut-être un... Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, le Merry Christmas. On va le mettre en bas. J'en joue toujours un peu de colle, hein, parce que on ne sait jamais. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Je vais vite faire refermer mon glossy parce que sinon, ça sèche et ça se bouche. Mais écoutez, hein, je trouve qu'on est pas mal. Allez, je vous montre tout ça face caméra. Donc, la voici, la TC numéro 9 dans mon Daily December. Je trouve que ça rend quand même pas mal. Avec du coup, ici, vous avez l'ATC de Stéphanie. Donc, merci beaucoup Stéphanie, je ne t'ai pas remercié pour ton envoi, pour ta carte, pour la maison de retraite, ainsi que pour mon ATC Daily December et mon ATC 5000 abonnés. C'est extrêmement gentil et je trouve que voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous montre la numéro 8 d'hier. Voilà ce que ça donne. Et du coup, la numéro 9 sera juste à côté. Vous avez vu le décalage des couleurs. Moi, je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est hyper sympa. Là, c'est pareil, vous voyez. On a couleur très flashy. Et là, on part sur du vintage. C'est ça qui est top, en fait, dans ce Daily December. C'est que ben, on change de couleur. Et on change de style à chaque fois. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de choses. Donc, voilà, je vous la remontre parce que je la trouve très très jolie. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour le jour numéro 10, donc le dimanche 10 décembre. On s'approche tout doucement du 24. Hein. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas si j'aurai reçu l'ATC numéro 10. Si je ne l'ai pas reçu, je vous ferai une petite carte. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain pour la vidéo numéro 10. Bye!